C'est bon. Ok. Bonsoir à toutes et à tous. Salut. Salut, salut. Salut, alors c'est comment on dit V12 Mintage? Ah, moi je dis Vedus. Vedus. Vedus, c'est plus facile. Hein. Ouais. Bonsoir à toi. Salut Vedus. Ah Cathy, comment tu vas après une journée de boulot? Eh ben écoute, celle-là elle est passée. Ouais. Et je vais pouvoir être soulagée. Bon, c'était pas si terrible que ça, mais. Je m'en étais fait tout un monde. Et toi? Bah, je dirais que c'est une journée de boulot, quoi. Bon, donc comme le titre l'annonce, nous avons des nouveaux voisins. J'ai aperçu ça. J'allais voir Cathy parce qu'en fait, je me suis pas trop attardé. Ils ont pris tout le bois qui était autour de chez nous, en tout cas. Ah, les cons. Donc après, il n'y a plus de magasins autour de nous. Après, il faut aller un peu plus loin. Et tu vois, il y a un truc qui m'intéresse, c'est complètement à gauche de nous, là, il y a une semi-automatique, tu vois, ou pas? Dans auto... Ouais. Automan Supermarket, je sais pas quoi. Là. Et par contre, j'arrive pas à voir combien ça coûte. Bah, ça coûte un SMG personnalisé. Ah, c'est ça? Ouais. Donc on l'a pas. C'est une arme contre une autre arme, en fait, c'est ça? Ouais. Farf. Ah bah donc ça c'est pas bon. Le revolver on l'a déjà. Après au-dessus en R17 t'as une semi-automatique aussi pour 175 ferrailles. Ah c'est bon ça. Ouais. Il en reste deux. Bah, il nous le faut. Hein. Il nous le faut. Mais bon on n'a plus de ferrailles du tout. Hein, par contre. Plus rien. Arqué. Donc il va falloir faire des courses et pas crever surtout. Ouais. Purée. Qu'est-ce que tu penses? Il vaut mieux aller chercher la ferraille en mer ou quoi? Ouais. Bah oui. Vas-y, équipe-toi mieux hein, parce que là t'as pas d'armure là. Mets-toi une armure en bois. Hein. Il va y avoir ce qu'il faut. Avec bah, les vêtements. Au pire, ouais, t'en as aussi. Ouais, t'en as peut-être là, puis en haut. Si on n'a pas là, il y en a en haut. Ok, ok. On a là ici, j'ai le torse, mais j'ai pas les jambières. Bah, suis-moi. Hein. Je vais aller boire et manger en haut aussi, tant qu'on y sera. Ouais. C'est qui avait donné l'astuce de pouvoir mettre une petite caisse en dessous de la table de recherche? C'est Vedus. Table... Bah je l'ai fait. Hein. Yeah. Écoutez. Hein. Ah bah là il y a des jambières tiens. Ah bah c'est bon. Hein. Ça n'empêche que il faut que j'aille manger un bout. J'ai mis en dessous là. Toi? Attends. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Bah la petite caisse là qu'il avait dit qu'on pouvait mettre un coffre. Ah oui. Ah oui. Je l'ai fait. Ouais, impeccable. Ok. Ok, allez. Coucou on va aller Noéline. Manger. Coucou Noéline. Comment ça va petite poulette? Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une porte ici. Y'a rien derrière. D'accord. J'étais très déçu par mon jardin parce que tout a pourri. Le fait d'avoir laissé, j'ai récupéré que deux endives, j'ai perdu citrouille et tout ça. Oh. En fait, j'ai perdu toutes mes endives, j'en ai récupéré que deux. Oh. Passe pas par là à manger. Hein. Mince. Et ici. Mon pauvre Rudy. Tu l'aimes tellement ton petit jardin. Bah ouais, fait chier. Hein. J'ai plus de graines. Faudrait qu'on en retrouve.
Ouais. Le club des portes flippantes. Ça va, mes pieds souffrent, je suis restée debout presque toute la journée. Bien joué, ouais, pour le petit coffre. Ça va, mes pieds souffrent, je suis restée debout presque. Pourquoi pas t'es restée debout tout le temps? Ouais, qu'est-ce que tu fous? Et nous, bah écoute, ça va, je suis déjà fatiguée de ma semaine. Ouais, non, mais c'est ça, en fait, c'est terrible, les gens. On est claqués, on est lundi. Ouais. Et le boulot, il demande tellement de trucs qu'on est claqué, quoi. Tiens, prochain objectif, je pense que je mettrai une porte ici, là, tu vois. Ici, là. Ouais. Parce que là, on est directement dehors. Bon, t'es prête à avoir un choc émotionnel sur la forêt qui nous entoure? Bah, allez. Voilà, un grand vide. Regarde. Oh. Ah ouais. Et c'est pareil de l'autre côté. Bah, vas-y, saute la première. Noéline était caféine. En stage toute la journée. Coucou, caféine. Oh. Ah, je vais tomber à la base des nouveaux connards. Ah, je pense que c'est des connards. Hein. Elle est vraiment pas loin de nous. Hein. Tu vois, et puis là, il reste un arbre. T'imagines le truc? Ouais. Oui. Ah, voilà, regarde bien. Ce truc-là en bois énorme ici. Ouais. On va avancer. Voilà. Mais ils ont une deuxième base qui est là juste après, regarde. Je pense que c'est aussi. Et une troisième juste après. Oh putain. Donc là, c'est des. C'est des malades, quoi. Je pense qu'ils vont nous faire péter notre base. Hein. Ils doivent avoir énormément de ressources. Hein. Bah ouais, ils ont tout pris, les salauds. Il reste un arbre là, le pauvre. Et pourquoi ils ont pas pris les arbres près de chez eux? pour rester couvert. Bah c'est ça. Ils sont venus nous découvrir. Ah, ça fait chier, hein. Regarde comme on est visible. Ouais. C'est la catastrophe, là. Bah, les enfoirés. Je regarde s'il y a un bateau qui traîne dans le coin. Pas de bateau par-ci. Hmm. Pourquoi tu rigoles? Pas de bateau par-ci, pas de bateau par-là. Néline, moi demain, je mets mes sandales, je ne me fais pas souffrir comme cet après-midi. Ne jamais mettre des talons quand on sait qu'on a 15 minutes de marche pour rentrer chez soi. Ah. Les talons, c'est pas les amis de nos pieds. Hein. Putain, regarde, ils ont tout déboisé, c'est un truc de malade, quoi. T'es fou? Je suis sûr qu'ils avaient chacun une tronçonneuse. Oh, regarde, il n'y a plus d'arbres du tout. Ouais, c'est terrible. Impressionnant, voilà. Incroyable. Je pense qu'on s'en prend plein la tête, les gens. Il doit y avoir énormément de ressources. Et nous, on a que des petits revolvers. On n'a rien de plus. Ouais. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir la semi-automatique. Mais bon, je crois pas que c'est pas ça qui va nous sauver. Hein, si les mecs, ils nous cicatrisent la gueule pendant qu'on n'est pas là. Hein. C'est clair. Sanglier. Un peu trop rapide. Et eux, j'ai l'impression qu'ils sont plus là, mais je suis pas sûr. Ah. Aïe! Putain, il m'a attaqué cet enculé! Au secours! Oh. Il m'a fait extrêmement mal cet enfoiré. Ah merde. J'ai des bandages si tu veux. Je vais le dépecer avec mon truc à. Saloperie de sanglier. Tu veux mes bandages? J'en ai aussi. D'accord. Incroyable quoi. En vrai, je pourrais pas bosser dans une pharmacie, c'est une torture pour le dos, les pieds et tout. Ah. Coucou Nilan. Comment salut, ça Nilan. Va Je pense qu'eux, ils sont pas là. Hein. Ouais. T'as combien finalement, de vie, là je viens de tes bandages que j'ai pas assez, tiens. J'ai pas assez de tissu. Ah, tiens. Hop. Mais ça va, Nilan. Merci. Fatigué comme un vendredi, mais ça va. C'est ce qu'on disait. C'est quand même un truc de dingue. Oh là là.
Bon. Il n'y a pas de bateau. Il va falloir faire les routes. Et si on fait les routes, il y a du risque. Ouais. Oh. Il y a un lac terrible. J'en ai eu un aussi. Ah. Mais quelques secondes après. Bizarre, hein. Ouais. Tiens, la passerelle qui était faite à côté, elle a complètement disparu. Ça a été comme début de semaine quand même. Ouais, ça a été. Il n'y a pas de bateau. Putain. Et là, c'est le phare de la mort. Chaque fois qu'on va là-dedans, on crève. Le phare de la mort. Sanglier. Ouais. 1, 2, 3. Oh. Va rouler après. Aïe, dommage, c'est du maïs pourri. Encore moins me partager le travail avec deux filles qui sont pas mes amies alors que je m'attendais à être seule. Je suis quand même dans un trou perdu, putain. Pense à toi. Qu'est-ce que c'est de merde? Bah ouais, salopard. Crève, quoi. Il passait au-dessus là, non? Il va se tuer? Bon. Non, il est là. Ah oui. Il me reste 9 flèches pour ça. Ouais, moi aussi 9. 9-9. Coucou petite Marie. Coucou Marie. Les routes c'est cool aussi, ça fera un peu d'action. Ouais, mais le problème Vraiment, c'est on est que. mal armé en fait. C'est ça. C'est-à-dire que si on tombe sur un mec qui a une semi, il y a plein de bouffe là, on va pas se priver. Hein. Ah putain, c'est barré. Et vous, comment vous allez, les amis? Par Noéline qui ne peut pas travailler en pharmacie. Prête sur le Wesh. sanglier. 1, 2, 3. Et allez, il court. Il court pour sa vie en même temps. C'est vrai. Oh, en voilà un autre. Il crapahute tous. Tous ces animaux là. J'ai entendu quelqu'un taper dans une pierre. C'est moi. Ah, d'accord. Prends une pierre parce que je pourrais refaire des flèches après. Ok. Il est mort. Mais il tombe, il roule. Ah l'enfoiré, il roule. Non, ça va. Il est resté sur la pierre. Oh non, il tombe encore. J'ai envie de prendre le métal. Apprends, de toute façon on va repartir, porter toute la bouffe. Hein. Ouais. Marie, un bon mal de crâne et fatiguée, toujours pas trop la forme. Ah, si t'avais de la fièvre et tout. Il faut le temps de se retaper, pauvre petite Marie. Combien t'as de flèches là? Six. Je vais t'en donner. Hein. Où es-tu, petite? Je suis là, mon grand. Tiens, métal encore. I'm ticking. On prend ou pas? On Bah prend. oui. Vas-y, va prendre. Ah, bah, j'en ai là aussi. On va être obligé de repartir à la base. On va pas pouvoir rester comme ça. Ouais. Surtout pour la bouffe, parce que la bouffe est très rare dans notre coin, les gens. Là, on a eu énormément de chance, je sais pas ce qui se passe. C'est vrai.
La pierre, on a toujours besoin de pierre, de toute façon. Ouais. Sanglier. Ah. Oh. Il est descendu sa tête. Ah non. Attends, il y a une jardinière là, faut regarder. Il n'y a rien dedans, fais chier. Il est où? Il est devant le rocher là. On le voit pas bien. Ah ouais. 1, 4, 2. Je vais faire des examens demain et on verra. Ah d'accord, ma petite Marie, j'espère que... Ouais, j'espère que c'est erreur. Putain, ils dégringolent tous, enculé. Aïe. Enculé. Putain, l'enculé, c'est le sanglier, quoi. L'enculé, c'est le sanglier. Il est... Ah ouais, tout en bas. Ok, c'est mal, je te rejoins. Est-ce que tu veux qu'on fasse le phare de la mort? Bah écoute, on n'a rien à détruire en plus. Ah non, mais c'est justement, on récupère ce qu'il y a dans le fer à le détruire. On peut. Qu'est-ce que t'en penses? T'as de quoi faire un petit coffre? À la limite, on range la bouffe là. Bah, s'il y en a un qui nous pique. Oui, c'est vrai. Ah oui, non, une pochette, tu veux dire? Ouais. Ah oui, j'ai de quoi, bonne idée. Je vais faire ça. Comme ça, si on meurt dans le phare. Bah, faudra se rappeler, tu vois. Ça sera ici. On monte comme ça et je vais la foutre sur le côté là. Je sais pas si je peux. Ah, je peux peut-être pas. Attends. Ou ça sera là, là, juste ici. D'accord. Elle est faite ou elle est pas faite? Ah non, encore 4 secondes. C'est une bonne idée ça. Oui, c'est moi. C'est moi qui ai eu l'idée, c'est moi. Je la mets là, regarde, tu vois. Ouais. Je mets mon métal dedans ou pas? Attends, je vais déjà mettre la bouffe. Ouais. Bah ouais, vas-y, mets ton métal. Voilà, là, ouais, c'est pas très... Ouais. La pierre, pas trop, peut-être le cuivre, plutôt. Ouais. Voilà. D'accord. Rappelle, c'est là, hein, surtout. Hein. Ouais. Ok. Il y en a un petit malin qui s'amuse à camper dans le phare et il nous en fout plein la gueule quand on arrive. Bah c'est le risque à prendre malheureusement. Non, mais je dis que ça, habituellement c'est ce qui se passe dans ce phare ici. Ouais, c'est arrivé deux fois. Deux fois de suite, ouais. Aïe aïe aïe, jamais 203. Non, ça va pas marcher, ça marche pas toujours. Putain, je peux pas monter. Allez, monte. Qu'est-ce qu'il a, lui? Putain d'enculé, là. Y a pas de bidon. Oh! Putain, il est encore campé dedans, le mec, c'est pas possible. Bidon de fuel. Fais gaffe, hein, s'il n'y a pas de bidon, c'est que c'est pas normal. Il y a un gros coffre ici. Non, c'est vraiment un enfoiré si c'est ça. Il n'y a pas de bidon non plus de l'autre côté, c'est pas logique. Et ici non plus. Ouais, il est en haut, c'est pas possible, on l'aurait vu, hein. On l'aurait croisé, non? Oui, peut-être passé il y a un petit moment. Ouais, il serait dire, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ici non plus. Tu veux que j'essaye de monter? Attends. Oh, laisse tomber, de toute façon, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas une arme en haut là qui dépasse? C'est quoi ça? Non? Ah, je vois ce que tu veux dire. Qu'est-ce que c'est ça? Je mets des choses dans la machine.
des trucs à mettre? J'ai des panneaux stop. Vas-y. Les lunettes de plongée, on se les garde ou je les extracte? On peut pas les extraire. Ça marche pas, les lunettes de plongée. D'accord. Ah bah voilà. Putain, je sais pas, j'ai... Tu le sens pas? Ah non. Ah, c'est pas très logique qu'il n'y ait pas les bidons, on est d'accord. Ouais. Et ça, il va nous tirer dessus quand on va partir dans l'eau. Un vrai enfoiré, le mec. Ouais. Une arme qui dépasse, c'est un bâton. C'est un bâton? Oui. Donc c'est le mec qui est en haut, alors? C'est bâton d'un mec ou c'est un bâton lambda? Bah ça va, ma petite caféine. Je dis ça, j'en sais rien. Ah. Il y a un cheval qui nous observe du haut. Je suis pas à la bouffe. Ouais. Putain, j'arrive pas à le récupérer. Tu veux que j'essaye? Oh, c'était là. Bah, t'essayes pas longtemps, toi. Vas-y, couvre-moi, s'il te plaît. Je vais vérifier où c'était. Ah, c'est pas logique, là. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression que c'est du C4 chez nous. Chez nous, tu crois? Non. Je sais pas. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai mis là la sacoche. Merde. Je vais essayer aussi. C'est bon. Putain, dur, hein. Si le mec était là, vous vous seriez déjà pris des balles, je pense. Ouais, t'as raison, ma Marie. Sauf si t'es un mec qui était avec un bâton, effectivement. Bon, le C4, là, j'ai pas aimé. Hein. Ouais. La direction du C4, c'est bizarre, non? Pourvu que ce soit pas chez nous, punaise. Punaise. Ah, c'est bien qu'il n'y a pas de bateau, là. Ouais, en plus. J'ai oublié de mettre dans l'extracteur un truc qui s'appelle... Reste super concentré. Arrête pas ton inventaire, on s'en fout. Un contrôleur de porte. Arrête plutôt s'il n'y a pas... Là, on doit être très vigilant. Bonsoir Manous. Coucou Manous. Pas rien ici. Comment vas-tu Manous? Il a le stress qui monte. Si on rentre à la maison, les amis, on va se faire péter un de ces barbecues. Ah oh là là, on voit qu'elle. Ah, ils ont tout pris. Oui. Non, apparemment, c'est pas chez nous.
Ok. Les scraps, je vais les mettre dans l'armoire ou... Ah ouais, bah j'en ai pas moi. Moi j'en ai 15. Je vais peut-être les laisser quelque part par ici. Ouais. Là, je te laisse occuper de la bouffe, c'est toi la bouffe. Ah oui. Nilan, j'ai envie de me faire livrer un truc du coup. Ça va bien, Cathy, même si j'ai trop faim et que du coup je mange à minuit 45. C'est... Eh ben, bon appétit. Oh, yeah. Allez, c'est parti pour le barbecue. C'est beau. Caféine, moi aussi, mon estomac veut, mon cerveau refuse. J'éteins. Superbe. J'ai un souci, je crois. Ça donne envie, hein, pour barbecue comme ça, là. La bonne viande, là. Miam, miam. D'ailleurs, j'ai merdé. Hop. Bon, du coup, j'allais ranger les compos. Attends, je vais mettre ça où ? T'as du métal haute qualité sur toi ou pas? Ouais. Je te file le mien. Vas-y. Hop. Et les scraps? Comme ça, tu les mets où tu veux. Scraps. Ça sent la cuisine, hein. Ça brûle vite, ça. Nilan, je réponds toujours à mon estomac. Mon cerveau ne fonctionne jamais dans ces cas-là. Caféine, c'est plutôt la flemme dans tes jambes. Purée, tu me donnes encore bien plus faim, Rudy. Ah, mais j'ai faim aussi, moi. Pourtant, j'ai mangé ce soir. Oh, ouais, calmons-nous, hein. Bah, moi, j'ai même pas faim. T'as pas faim? T'as pas envie de bonne viande là? Non. Même pas. Tu me déçois. Hein. C'est le stream de la fringale ce soir. Caféine, non, c'est la flemme de repeindre mes WC. Oh. C'est tout de suite moins glamour, ça. Ouais, ouais, tout de suite, ça coupe la fin de certains. Ça calme. Si, si. Hop. Je vais boire un coup. Il va faire nuit ou quoi, là? Ouais. Oh non, mais c'est pas possible. Le soleil déclinait grave quand on est rentré. Grave. C'est chiant, ça. Ouais. Faut qu'on prenne du bois avant qu'il fasse noir. Hein. Ok. Eh bien. C'est bon, t'as posé tout ce qui t'a posé? Ouais. J'ai des lunettes de plongée, mais bon. Salut, c'est Fear My Rich. Ça doit être My Rich Son, ça. Elle saute. Putain. T'as le beau, faut aller chercher au bout, quoi. Ouais. Ça va les gens, sinon. Salut, Wist. J'ai l'impression, j'ai le pressentiment que ce soir, nous allons crever. Non. Et j'ai un pressentiment. C'est le soir de la mort. Ah, mais putain, il y a encore non. Du métal ici, regarde. Putain. Métal, pierre. Bah, je prends la pierre. Ok.
Il faudrait prendre du bois pour qu'on ait fort retour dans un régime pendant la nuit, là. Pourquoi tu rigoles, là? Il faut te rappeler à plein régime. Tu vois, elle est bien, cette expression. Ouais. Pourquoi j'arrive pas? Ah, saloperie. Putain, encore du fer ici. Oh putain. Putain, la nuit elle tombe trop vite quoi. Ouais, on va rentrer dans le... dans la pénombre. Grand chose, hein. Les farmeurs de la nuit. Non, on va bientôt plus les croix sur les arbres. Je les vois plus. C'est bon. Vite, faut rentrer, j'ai peur. Ouais, je finis mon arbre. Ok. Comme moi, Rudy, tu pars pour une chose, du bois ou autre, et tu prends d'autres choses en même temps. Bah ouais, le fer, c'est important. C'est la vie. Non, le fer, c'est pas la vie. Le fer, c'est important. Moi, tu dis le fer, c'est la vie. C'est pas parce que je pense à ça qu'il faut dire des conneries. Tu penses à ça? Bah ouais, je pense que le fer, c'est la vie, mais c'est pas la vie, le fer. Le fer, c'est la vie. Le fer, c'est la vie. Bon, non, on dit le fer, c'est mieux. On dit le fer, c'est... Ouais, bah oui. Le dire, c'est bien, le fer, c'est mieux. Non, pas je sais bien parce que dans le noir on peut voir notre base du coup. Ouais. Et putain. Par contre, niveau bois, je suis à 1500. Ah, tu me déçois fortement. Putain. T'as 2600. Ah, mais j'ai d'autres choses. Bon, du coup, ça suffira pour faire tourner quelques fours. Ouais. Donc je peux où aller. Elle arrive. Comme il y a moi et les autres, je me dépêche. Hein. Ah là là, savez-vous si des abonnements médecins existent? Dix consultations faites et une offerte. Tu crois que ça marche comme ça? Je ne sais pas. Ah bah c'est ça, Marie, au bout de la 10e consultation, une gratuite. Au secours, faut que tu m'aies du bois. Il y a deux fours, il me faut 2000 bois là. Tiens. Et tiens. C'est tout ce que j'ai. Merci. Les quatre fours ici, ils tournent à plein régime, c'est bon.
Yeah. Quatre fours complets là. Vous savez que vous pouvez mettre des locks pour les coffres? Oui, on sait. Mais il n'y a pas beaucoup d'intérêt finalement parce que les mecs, ils cassent les coffres du coup. Oui. Dans le temps, quand ils cassaient un coffre, ils récupéraient que certaines choses. Et je crois que maintenant, ils récupèrent tout. Exact ou pas? Bon, t'as fini de sauter au shot. Là là. Non, il y avait des trucs dedans. Non, tu as ramassé déjà. Ouais, j'ai mis dans le armoire. Dans le armoire. 26 heures. Ok, c'est bon. Bah, aïe, aïe, aïe. Mon cher Saphir, savez-vous comment faire la différence entre vie professionnelle et vie courante? Chut, je veux rien entendre, Noéline. Ah, vous deux, je sens qu'il y a quelque chose de plus que professionnel ou de... Sexuel un peu, oui. Ouais, c'est un petit peu... Mais ils sont petits, hein? Donc, non. Pas avant le mariage, les amis. Attends, je vais me prendre un café vite fait, j'arrive. D'accord. Voilà, on dirait une oie sauvage. C'est comment les grands oiseaux, les grands grands oiseaux en Alsace qui sont sur les toits, sur les cheminées. Caféine 42 mois et demi, j'ai fait mon quota de mes 5 dernières années et du coup je cherche un abonnement premium. Oh. Ça fait combien de temps que tu viens sur nos streams, Caféine? J'espère que ça n'a pas un lien. Oui, une cigogne, c'est ça, Marie. Rudy, c'est comme une cigogne. Hein, il ressemble trop à une cigogne sur sa cheminée, là. Bon, ben on attend. Mais non, Cathy, quel lien pourrait-il avoir? Je sais pas. Je sais pas, que tu prends froid en nous regardant et après tu vas chez le docteur. Mais non, ma chère Cathy, c'est en rapport avec son message pour caféine. Faut la battre, il a la grippe aviaire. Tu crois que s'il me pique, je meurs? Heureux. Heureux, tu ressembles à une cigogne sur ta cheminée. Une cigogne. Ouais. Pourquoi? Bah parce que les cigognes, elles vont sur les cheminées en Alsace. Oh. C'est trop chou comme animal, j'ai adoré en voir, mais faut pas trop t'approcher. Et moi aussi dit qu'il faut qu'on t'abatte, t'as la grippe aviaire. Putain. Noéline, elle est foutue. No... Et toi, Vedus, Minkange, tu fais quoi pendant la nuit? Tu restes tu Tu restes fais dans quoi ton pendant coin? la nuit, bah dis Tu fais la donc. cigogne ou pas? Non, reste. Ah oui, ah ouais, ça c'est une bonne Parce que question nous, on est ça. là comme des cons, là, mais il y a peut-être des trucs à faire. Hein. Et on sait pas, nous, on est là, on attend. Cathy, 22 août, donc rassure-toi, vous n'y êtes pour rien. Ah. Ça fait même son nid sur le poteau électrique. C'est vrai que c'est beau une cigogne. Rudy, t'es beau. Mon cher Rudy, cherchez-vous des problèmes avec la princesse Sophia? Bah non, elle est foutue. Chez moi, ils ont cramé des champs pour le débroussaillage. Sauf que ça termine en incendie avec les pompiers. Non! Moi, Mais... PVP le plus possible. Putain, eh, il fait du PVP même la nuit en fait. Putain, Et mais... ça va te changer de nous voir comme ça, comme nous on fait, tout relax, cool.
Les boulets? C'est qui les boulets? C'est... Ah non, les pompiers, ouf. Enfin, pas Les les femmes pompiers. aussi, hein, mais aussi beaucoup de PVP. Ceux qui Et nous, débroussaillent. bah nous garde, la nuit, on est là, dans notre petite salle, et puis on est tranquille. Ouais, et On est puis à on parle. l'abri, on se sent bien. Hein. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas arriver, même s'il y a du C4, il n'arrive pas instantanément sur nous. Au-dessus, il y a une pièce, et de tous les côtés, on est entouré. Même de ce côté là-bas, où il y a la bougie. Donc on se sent en sécurité, on se sent Voilà. bien. Mais Tu te sens bien, là? vivement, ouais, mais vivement qu'on ait des tourelles. Ouais. Une cigogne, j'aurais dit un gorille grincheux, mais bon. Je suis même pas Putain. grincheux en plus. Non, t'es pas grincheux, non. Bah alors? Les débroussailleurs, oui. Ouais, c'est fou, ça. Vous êtes entouré par des bombes de neige. Ouais, c'est vrai, c'est cool. Une ambiance chaleureuse. Non, mais Védus, ce qu'on se dit, c'est que t'es un grand joueur de Rust. Mais qu'est-ce que tu viens sur nos streams? Tu dois te faire chier, en fait. Ouais, tu dois te faire chier là. Tu dois te dire, mais c'est pas possible. Enfin, Ça nous, existe des joueurs comme ça? nous, on est contents, hein? Ah oui, bien oui. On est contents. En plus, tu nous abreuves de tes connaissances. Moi, nous, pour une fois que tu ne Ah, râles attends, pas. faut qu'il lise, c'est ça Ah, mon stream, pardon. s'il te plaît. Hein, attention, Ah oui, hein. pardon. Manous. Rudy ne râle jamais. On l'a remarqué. Jamais, jamais, c'est le meilleur. Merci, Manous. Voilà. Saphir, bien ouais, ça a trop de flow, tu m'apprendras, hein. Ah, et Noéline a du langage Ah, voilà. soutenu. Fallait pas dire anal pour que Marie se réveille. Hein. Ça, c'est. Voilà, tout de suite. Hein. Marie. Bon, quel anal, Manous. Noéline interdit à Rudy d'être grincheux ce soir. Manous, passe pas le mien, Crazy Patate, si c'est ce que tu penses. Ouais, je traduis un peu, hein, je l'ai pas exactement. Je traduis. Hein. Bah oui, parce que... Ah, il fait jour. Attends, attends, ah merde, j'allais dire, je vais profiter pour enfin agrandir mon chat, et ben voilà, ça restera petit. Parce que je suis resté avec le PC de stream de ce week-end. J'ai eu la flemme de sortir l'autre. Ah d'accord. En plus, il fonctionne mieux lui. La qualité est meilleure. Et il faut vraiment que j'agrandisse La la police. police. Ouais. En fait, le mieux, ce serait que j'aille chercher des nouvelles lunettes. Hein, ça serait le mieux. Mais il faut 1 an pour avoir un rendez-vous. Moi, je sais que c'est pas le mien. Ah, parce qu'à la DMDR, on sait jamais où nous. Ah, ouais. Bon, quand ça parle de cul, moi, ça me met mal à l'aise. Je m'en vais. Voilà. Oh bah oui, ça te met mal à l'aise. Ah ça, oui, ça me met mal à l'aise, tout à fait, mais réellement. Genre, c'est moi qui fais Ah! la mijaurée d'habitude. Hélico! Un hélico, coco. Ah, c'est pas cool. Coucou, c'est Lou. Putain, ils ont une vue sur nous direct en plus, hein. Ouais. On évite de dire ça, mais bon. Ouais, mais au plus. Ouais. Ouais, il fallait qu'on trouve des scrubs pour pouvoir acheter la semi. Ouais. Oublions pas l'objectif. Et on n'a pas vu de bateau. Ah, mais il y en a peut-être eu là pendant durant la nuit. Ah ouais. Tu me dis si t'entends l'hélico de trop près parce que j'entends pas bien là. Je l'entends pas de trop près. Ah. Ouais, l'hélico il manquait plus que lui, tiens. Sans méchanceté, naïveté. Ah, je sais pas trop, je vous trouve drôle, votre innocence et votre naïveté. Fait que. Et après, elle a dit que c'était sans méchanceté, la naïveté. Ouais, on est mignon, quoi. C'est ça, en fait. On est mignon. On est mignon, mais bon, on n'est pas con. Hein. On est mignon, mais on n'est pas con. Hein. Attention, hein. Attends, attends. Aucun bateau. C'est pas possible. Où ils ont foutu nos bateaux? On va devoir aller sur les routes et ça va faire plaisir à ceux qui aiment l'action, mais pas à nous. Tu entends pas bien, le fap fap, ça rend sourd. Rudy, Cathy, j'étais choquée et MDR en même temps, j'ai regardé une rediff de Rust. Bah vous Ouais. étiez tout nus, j'ai pas compris. On était tout nus sans le... Ah oui, c'était quand on avait rejoué, on n'a pas mis les filtres. Ça datait de 2015. Ouais, il n'y a pas les. Et c'est ça en fait.
Là, on pourrait encore, mais on a mis des filtres, tu sais. Ça va quand même quand on est tout nu, en fait, on nous voit en sous-vêtements. Voilà. Il est beaucoup mieux, je trouve. Parce que c'était quand même malaisant de voir la foufoune de Cathy tout le temps. Bah ouais, et puis la trompe de Rudy. Hein. Ouais, surtout quand je me mettais. Je voyais ma trompe quand je me mettais sur le four, c'était terrible. Hein. Je me dis pas la vue sur les. Sur tout le bazar. Hein. Sur les testicouilles. Testicouille. Pourquoi dire testicouille? Parce que ça m'amuse. Ça rend le bazar encore moins glamour. Ouais. Pas de bateau, hein? Pas de bateau. Ok, on va devoir aller au supermarché, sur les routes. On est pas rendu là. Aïe aïe aïe. Attends, c'est combien qu'il faut? La foufoune et la trompe, ces noms me font rire. Il se méthodique. 175 ferrailles. Motive-toi. Ah, je me motive. Opinion. Aïe 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 aïe. À 50 ans, moi nous, ça devient difficile. De fap fap ou de bien entendre? Les deux. Même de lire. Qu'est-ce que j'ai du mal à lire? C'est un truc de ouf. T'as pris rendez-vous? Non. Ah. Mais ça me fait chier, c'est long, c'est chiant. Ben ouais, c'est encore plus long si tu prends pas rendez-vous en Oui, fait. je sais. Ouais. Et c'est vrai que là, je vois de moins en moins lire. Attends, c'est un truc de fou. Hein. J'ai cru entendre. Un truc. J'ai cru entendre taper, toi, non? Non, j'ai pas entendu. J'ai cru entendre ch'tac, comme ça. Ah, si t'as entendu, je tac. Je suis pas sûr. Par contre, il y a les barines, donc je suis un petit peu étonné. Les barils bleus. Putain, on y va ou on y va Oh, pas? On y va, hein. attention, il y a des pics. Ah bah non, c'est des quoi? C'est des fleurs. On y va, hein. Bah ouais, on y va. Bon, allez. Je respire, hein. L'écho, je l'entends, hein, je te le dis. Hein. Ouais, je l'entends aussi. Alors, super maquette. J'ai pas confiance ici. Oh merde, il n'y a pas de coffre dans le magasin. Ah, c'est que quelqu'un est passé il y a pas longtemps. Y a pas de coffre ici non plus. Ah ouais. Je vais pas allumer l'extracteur juste pour une guitare. Bon bah on va suivre la route. Allez, suivons la route. Méfions-nous. Petit café pour tout le monde, chocolat chaud pour Crazy Patate. Merci, caféine. C'est que le café c'est tellement bon. Moi, j'ai appris à vraiment aimer le café. Le plus, c'était à l'armée. Parce qu'avant, je prenais mon café sucré, tu vois. Ouais. Et donc, je buvais le café, mais pas pour les bonnes raisons. Et à l'armée, il n'y avait pas de sucre. Donc, j'étais obligé de le boire non sucré. Ah. Et j'ai. Au début, j'étais pas bon. Je suis. Oh. Et après, je me suis habitué. J'ai aimé le café pour le goût du café. Et quand tu commences à faire ça, à prendre du café non sucré, tu deviens un vrai connaisseur de café. C'est ça que je voulais dire. Bah, j'en prends celui du petit déjeuner, il est toujours sucré. Et les autres, ils sont toujours sans sucre. Ah, ni là, ni vingt thé. Nilan boit du thé. Moi, j'aime beaucoup le thé aussi. Je suis Mon une message grande n'a pas été buveuse. lu parce que j'ai dit un mot qui ne convenait pas apparemment. Non, parce que j'ai pas fait attention. Non, je vais me cacher là. Pour lire. Son message? Bah si, Oh, pourtant. je regardais. Il avait dû avant. Ah si, ça avait été lu. Bah oui, sans naïveté. Ah ouais. On l'avait lu. On a dit on est mignons, nous. Je trouve drôle votre innocence et votre naïveté fait que, sans méchanceté, naïveté. Si si, je l'avais lu. Ouais, même qu'on a dit on est mignon mais on n'est pas con hein.
Ah ouais? Ah ouais. Bah par contre, ça commence à prendre de la place déjà ces conneries là. Y a peut-être un message qui n'est pas du tout passé. J'essaye de prendre du thé en brûlerie, pas en industriel. On dirait une remarque de hippie. Bizarre qu'on ait croisé encore personne. Hein. Enfin, je ne demande pas à croiser non plus, hein, mais. Ouais. Je prends du bois en passant. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'on a toujours besoin de bois. C'est pareil. Et comme on n'a plus de forêt autour de chez nous, Ouais. Pas confiance du tout, mais alors pas du tout. non, bah pareil. Compte sur toi, Cathy. Hein. Si on me tire dessus, tu tues le mec. Hein. Ah oui, Ok. facile. N'hésite pas. Ouais. On fait le tour du lac. Oh, il y a Ouais. une bâche par terre et des panneaux routiers. Quelqu'un est passé. Arrête de me faire peur. Bah écoute, c'est pas pour te faire peur. Ah ouais, d'accord, je vois le message qui avait été ban. Et t'es ban? Ouais. Naïveté, c'est pas être. Le message n'est pas passé, je peux pas le lire. Con, c'est pas être con. Ouais. Je le vois. C'est l'automote qui t'avait censuré ton message. Oui. C'est pas nous. C'est pas nous, pas nous, pas nous. Et merci pour ton follow, le menuisier 187. Naïveté, c'est pas être abruti, naïveté, c'est plus ne pas tenir compte du mal qu'il peut y avoir autour. Voilà. Attends, je remplis ma bouteille d'eau. Putain, j'ai faim, moi. Je peux boire allègrement si tu veux ici. Hein. Ouais, je vais boire allègrement. Wouhou! Voilà, super. Il y a eu un largage qui était la fée là-bas, regarde. Ah ouais. 325. Vu. Bon, écoute. J'ai 23 scrabs. Avec ça, on va pas aller loin. Hein. Combien? 23. 17. Ouais. 15 dans la base. Les temps sont durs, hein? Mais c'est quoi ce truc là? Il faut qu'on aille détruire puisqu'on a ramassé. Ouais. Oula, le Quoi, ou là quoi? l'hélico se rapproche gravement. Il est où, il est où? Je sais pas, je l'entends très fort là. Je l'entends pas très fort, moi. Moi, je l'entends très fort. Moi non, pas trop. Peut-être plus près de toi que de moi en fait, toi. Non, mais... Couvre-moi alors parce que je vois rien. Dis si Nicolas arrive surtout. Ouais. Ah oui, du coup. Alors attends, si on va par ici. Ouais, bon. On va tenter par là. Hein. Il y a une station service, je sais pas quoi, on pourra détruire des trucs. Okay. T'es où? T'es où? Bah, j'essaye de te rejoindre. Mais t'es où? Je suis derrière. T'es complètement Ouais, meumeux, hein? l'hélico, il est très Voilà. fort. Moi, je pense que je vais me déshabiller. Mais non, il est pas encore tout prêt, arrête un peu. J'ai peur de l'hélico. Putain, j'ai des lags. Énormément de lags par ici, ça n'arrête jamais. Oh. Oh.
D'avrait, mais il est vraiment pas loin, l'hélico. Hein. Ouais, je m'en rends pas compte là. J'ai vu un mec. Ah, où ça? De l'autre côté? Bah non, ça doit être toi. Sauf que j'ai pas vu ton nom dessus, c'est un peu bizarre. J'ai pas vu le nom dessus, mais. Il est parti vers la truc. Je suis pas sûr en fait, j'ai cru apercevoir un mec. Oh. Putain, tous les arbres qu'il y a ici, ça donne envie. Fais gaffe, si. Tu veux manger un truc? Non, j'ai ramassé un champignon. Ah putain. Allez, ouais, c'est la station-service, elle est juste là en fait. Cathy a peur de l'hélicoptère. Bah oui. On n'entend plus l'hélico là. Non, elle est partie, elle est partie. Ouf. Donc ici, un extracteur là-dedans. J'ai des lags, c'est des trucs de ouf. Hein. Putain, mais elle reste pas avec moi, c'est un truc de fou. T'es où? Tu l'as? Bien, parce que s'il y a un mec, je suis seul quoi. Ouvre. Ouais. Je récupère les trucs. Ah putain, t'es dedans. Ah, je suis plus dedans. D'autres trucs à mettre. Merci beaucoup pour ton follow, le menuisier 187. Bienvenue à toi. Les cordes, tu les gardes ou tu les détruis? Comme tu veux. Plein de tissus déjà. Oh, ma voiture, je l'ai retrouvée. La voiture qui est complètement pourrie là. Ah, c'est finito. Vas-y, récupère ce que t'as récupéré dedans et mets les tiens. Merci. Bah, j'ai déjà mis au fur et à mesure. Ok. Combien de scrabs? 64. 57. Ouais, c'est encore juste. Il en faut, il en faut, il en faut 175. 175. Putain. Renny Lan. Bon, il en faut encore un peu. Oui. Ah putain. Ça me fait chier, ça. Je vais voir à l'extérieur. Fais gaffe. T'es pas assez prudente, toi. Je te sens pas très prudente. Je suis prudente. T'es sûr? Oui. Ça donne pas envie d'aller au WC ici, hein. C'est un peu glauque. Et on se casse. Le fait étant que je suis roi, il va de soi que je sache parler le langage soutenu. T'as pas pris en face? Là, En face? là, là. Oh, j'ai une tronçonneuse. Ah,
Tu veux que je te tronçonne? Non mais t'oublies la moitié des trucs là, c'est un truc de ouf. Mais non, j'oublie pas, j'ai vu que t'étais arrivé donc j'ai pas pris. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je ne sais point. Je ne sais pas. Hein? Kizako? Il y a de l'eau là, mais... Ah, c'est comme ça, regarde. Oh. J'en veux un à la maison. Je crois que c'est pas possible. Bande de vandales, vous cassez tout. Ouais. Ah, Noéline, bon appétit. Putain. Bon appétit, Noéline. Il en faut 75, c'est ça. Ouais, je suis à 75. 75 aussi. Encore 25. Ouais, en fait 10 parce qu'on en a 15 à la base. Ouais, enfin, on va les prendre là parce qu'on va partir de la base pour qu'on est juste à côté. Hein. Ça, c'est sûr. Et si qu'ils vont, non, c'est pas là. Ah si, ce milieu automatique épuisé. Mais ouais, mais là, c'était avec, avec du soufre. Hein. Ah. C'est un sacré truc pour le... Ouais, t'as vu, Marie? Moi, j'en veux un. Hein. Ah, un clip. On va plus rien sur la route, comme par hasard. Le clip est de Moinous. Ça m'aurait étonné. Merci, Moinous. Merci, Marie. Il y a encore 20. T'en as combien là? 79. Là-bas. On est 80. D'accord. C'est chaud hein, d'avoir les trucs. Hein. 82. Finalement, ça rapporte bien par l'eau. Hein. Bah ouais. Myrifsan, je vous ai menti par rapport à mon âge. Très cher, je suis en réalité âgé de 23 ans. 86. Mmh. J'ai tellement peur qu'on se fasse défoncer, quoi. Ouais. Pareil. Alors, attends, je suis à combien, là? 95. T'as combien? 79. Attends, je vais te défiler. Comme il ça, manque, il va manquer un, alors, compte. C'est ça? Il 74, il en manque un. Oh putain. Bon, on va trouver. Deline et Saphir Myrish, je vous laisse dans votre délire tous les deux. Hein. Ah, tout de suite, caféine. Oh, ah, c'est un bonhomme bleu là-bas, attention. Putain. Et là, il y en a pas? Si, il y en a aussi. Oh merde! Il nous court après? Non! C'est bon, je crois qu'il a arrêté. Non! Ah non, il tire dessus. Fous-moi la paix, connard! Putain! Je crois qu'il m'a lâché la grappe. Ah, ça m'a. Oula, c'était impressionnant là. Il t'a touché ou pas? Non, il m'a pas touché. Faut qu'on aille dans l'aéroport chercher le morceau qui manque. Ouais. Oh non, pitié, pas ça. Pitié. Toi qui as mangé là? Oui. Et j'ai le droit de vivre, sérieux? Mais non, mais attends, j'écoute tout moi. Mais je plaisante. Moi, je suis super attentif, d'accord? C'est bon, j'ai entendu là. Oh. Non, Noéline, t'inquiète pas.
Il y a des bidons là-haut? J'en sais rien. Il y a une caisse peut-être. Oui, c'est bon, allez. C'est bon? Donc, go magasin maintenant. Ouais. Mais t'es go. Où là? Mais je suis derrière toi. On va ressortir par là. Par où la sortie? Par ici, je crois. Quoi, putain, c'est moi qui fais tout là, d'accord? Tu te calmes! Donc c'est là-bas, c'est. Ouais, c'est là-bas, allez, go. Au nom pour un, c'est toujours chiant. Si c'est pas un joueur, c'est un bot. Ouais, on est toujours emmerdé, hein. Les amateurs d'action se régalent, là. Vedus, je pense que. Il se régale à mort. Ah ouais, 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 ouais. On a fait les routes, on a esquivé des balles d'un mec en hop, bleu. Hop, hop. Extraordinaire, je veux dire. C'est waouh. Stream passion. On regardera ton clip après, mon petit Moinous. Hein. T'inquiète, je n'oublie point. J'ai hâte de voir ce que c'est. Parce que Moinous, c'est le roi du clip. Tout le magasin là, c'est par là, attends. Ah, je crois que c'est là-bas. Putain, il y a un bidon tout seul là, ça me fait envie. Mais si je vais le prendre, il va dire, elle me suit pas. Couvre-moi là, dans le magasin, je peux rien faire. Je te couvre. J'ai la SMI. Yes. Ok, faut la ramener maintenant. On va aller la planter. Aucune balle dedans. Hein. Planter la SMI. Putain, mais calme-toi deux secondes là. C'est super important ce qu'on fait ici. Et oui. Mais je suis planter hyper concentré. Planter la SMI, planter la SMI. Bah oui. Et planter quelque chose, tu vois. Tu vas pas dire, mais oui. Hein. Ah bon. Ah, tu vas c'est dire, si oh. Désagréable que ça. Tu vas dire oh. Oh. Oh oui. Mais pas mais oui. Putain. Voilà. Ah, Védus, il dit la folie. C'est t'as la vu, folie. Hein, l'action, là. T'as vu ça, hein. On sait faire aussi, hein. Caféine, moi mon PC est tellement intelligent qu'il refuse de les faire les clips, c'est injuste. Oh, d'où ça peut venir ça? Je sais pas, faut que je ramène la SMI, là, dépêche-toi. Bon, ça te fait rire? Ça me fait bafouiller tellement je suis stressé. T'es stressé du cul? Carrément. Faites un coup, ça va te détendre. T'es ça vraiment, peut-être même t'es plus vraiment vite. Répugnante. T'es une trouille en fait. Oui, oui. Mais salut Degana. T'es une truie sur pattes. Tu connais ça? Ouais, je connais voilà. Truie sur pattes. Oh, ça me fait chier de monter. Je fais le tour. Ah bah jamais on arrive à la ramener. Mais jamais. Si. Mais si. Et après, il faut la prendre. Donc il faut encore plein de trucs, plein de ferrailles pour la prendre. Je sais pas combien, ça va être énorme. Pourquoi tu rigoles? Parce que arrête de faire ton hystérico là. Mon hystérico? Ouais. Hystérico. Si je crève et puis qu'on perd tout, hein? T'as ah, pensé ben, celle-là? Ben ouais. Ouais. C'est toi qui me dis souvent, la peur n'évite pas le danger. Ouais, mais un homme averti en vaut deux aussi. En même temps, mon PC est comme sa propriétaire, il est pas net. Oh. Ah, c'est le PC de caféine? Ouais. T'as dit Noéline? Putain, mais tu. J'ai vraiment... dit Noéline encore? Oh, excuse-moi, caféine. Bazar. Ah! Attends, merde, j'ai plus de place. Ah! Tiens, ramasse ça, s'il te plaît. Ouais. Une belle combinaison. Moi, je veux ça pour mon jardin. Ouais, okay. Nickel. J'ai 8 endives pour le jardin. Ça, c'est bon, ça. Ah, bah alors. Ça s'en fout pas, les endives. C'est qui mange? C'est moi. Putain. Y'a un mec à droite. Un mec. Faut le tuer ou faut pas le tuer? Pas de l'action. Pourquoi il prend pas les bidons? Peut-être qu'il nous a vus et il se sauve. T'as vu on, va où crever, il on va crever parce qu'on suit le mec en fait. Il y a un arc quand même, attention.
Raté, moi je me sauve. Ah, c'était pour l'action. Pourquoi tu rigoles, moi je fais de l'action, PVP et tout le bordel. Ah ouais, bravo. T'as vu ça? Le mec il a eu peur, hein. Parti. Hein. Et moi je leur vole leur chambre. Voilà, ça c'est un truc aussi. Oh. T'as perdu des graines de chanvre, c'est fait exprès? Non. Je les ai ramassées. J'ai plus de place. Ouais. Je suis full cartoon. Full cartoon? C'est ouais. Quoi cette expression de la mort? C'est une nouvelle expression. Tu sais, il faut pas prendre que les expressions qui existent. Hein. C'est vrai. On n'aura jamais de nouvelles. Hein. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Full cartoon. Est-ce que cette couleur te convient, Cathy? Oui. J'adore le violet en plus. Enfin, je sais pas si toi tu le vois violet. Ah, les enculés, regarde, ils sont morts. Au fait, Logan vous passe le bonjour. Ah! Ah, Logan! Ça, c'est gentil. Vedus, attention, parce que trop d'action tue l'action. Excuse-moi, on s'est emporté là. Ah, là, c'est fou! On a fait du PVE et du PVP en plus. Je peux te dire qu'on va bien dormir, quoi. Tu vois aussi violet, caféine? Ouais. Ah ouais, bah c'est magnifique. Magnifique. Là, je mets un saut qui se pourra détruire. Ouais, aussi. Voilà, après la reste non. Et après, tu peux mettre d'autres trucs comme saut à détruire aussi. Hein. Et question. Le carburant, tu le mets où? Carburant? Ouais. Dans l'armoire. D'accord. Je vais regarder combien ça coûte de prendre un SMI. Attention, le verdict va tomber. 250. Et on en a 64 dans la machine à apprendre, dans la table de recherche. Dans donc, la machine à apprendre. Putain, mais arrête de rigoler tout le temps, là. C'est putain. Trop mignon. Mais c'est trop mignon, mais t'es j'adore. T'es moqueuse, c'est pas possible. Mais non, hein, c'est pas une moquerie, c'est une mignonnerie. C'est pas une machine à apprendre, c'est une machine à apprendre. Ouais. Oh, c'est bon, quoi. Je mets la tronçonneuse au même endroit que le marteau-piqueur. T'aimes pas le rouge, Cathy? Si, j'aime bien, mais je préfère le violet. Ça, je le dis sans honte. Hein. Allez, arrête de faire tes trucs. Ça me fait rire. Je suis aucun truc. Je vois bien tes réactions. Oui, c'est pour les pseudos, c'est ça, Nilan. Parce que j'arrête pas d'appeler caféine Noéline. Comme ça, caféine, violette, violette, violette. C'est Tintin qui saute à la corde et qui dit violette, violette. Voilà, je serais full. Qu'est-ce qu'il y a comme eau ici? Je remonte les 8 de viande crue. Ouais. Là, t'as plein de graines. Dans le coffre de bouffe. Bah, c'était de où le scrap qu'on avait en... Ah, il est en haut. Il y a plein de graines, ouais, c'est pas des graines de bouffe. Hein. C'est du chanvre. D'accord. Culé. Tu parles à qui? Je sais pas. Tac tac, au cas où t'avais des problèmes de vision pour voir certaines couleurs. Ah ah, j'aurais demandé si ça allait le vert ou non. Non, non, je ne suis pas daltonienne. Clip de Moinous. Ah oui. Allez, clip. Salut, Trackers. Como esta? Disons qu'en ce moment je suis caféine, mais. Ah, j'entends rien avec toi là. Ah, mais attends, allez, attends que je l'ouvre. Quand même. C'est quoi ce truc? J'y suis. Attention, 1, 4, 2. Je sais pas, faut que je ramène la SMI, là, dépêche-toi. Ça te fait rire? Ça me fait bafouiller tellement je suis stressé. T'es stressé du cul? Carrément. Oh, faites un coup, ça va te détendre. T'es ça avancera peut-être même t'es plus vraiment vite. Répugnante. T'es une trouille, en fait. Oui.
Oh, comme je fais trop bien la truie, en fait. Ah ouais, c'est génial. T'as vu comment tu fais bien la truie? On dirait une vraie truie. On dirait une vraie, ouais. Incroyable. Merci, Moinous. Merci, Moinous. On en a regardé qu'un, mais je crois qu'il y en a deux en plus. Il y en a un deuxième. Ouais, ouais, doucement, là. Moi, je regarde. Tu me dis quand t'es là. Attends, je suis en train de grimper, je peux pas tout faire. Hein. T'es pas assez prudente, toi, je te sens. Chut. Ah, c'est où le deuxième clip? Disons qu'en ce moment je suis caféine, mais Cathy se trompe. Du coup, peut-être que changer de couleur ça va aider Cathy. Wesh. Ah, ouais, je vois le deuxième clip, c'est un clip YouTube. C'est clip. Non, c'est Twitch. Attends. C'est je celui qui deuxième. S'appelle Curious Cold Puffin Spicy Boy. Attends. Je l'ai pas eu moi celui-là, si. Je te le mets tout de suite. Hop. Voilà. Ça fait des étoiles. Ah merde. Ah, Marie, elle me l'a mis. C'est bon. Merci, Marie. Putain, Marie, elle est meilleure que moi. Eh, mais je suis pas modo chez toi. C'est quoi ce délire? Si, c'est modo. Bah, non, bon. J'ai pas la petite épée. Ferme ta gueule. Bon, t'es prête ou putain quoi? Putain. Ouais. Bon, t'es... 3, 10, 2. T'es pas assez prudente, toi. Je te sens pas très prudente. Je suis prudente. T'es pas assez prudente, toi. Je te sens pas très prudente. T'as vraiment un caractère de merde. Je suis prudente. T'es pas assez prudente, je te sens pas très prudente. Je suis prudente. Aïe, aïe, aïe. Ah, merci, Moinous. On est vachement... Je suis pas modo chez moi, mais je comprends pas, ça. Bah ouais, je suis pas modo chez toi. Tu avais depuis quand? Bah... Quelqu'un qui, t'a dit, qui avait dû te retirer. Voilà. Merci. Bon, c'est pas fini là, il va falloir aller en mer. Hein. Donc, ouais. Je sais pas où parce que. Le truc c'est que. On peut repartir sur les routes, mais c'est tellement dangereux. Hein. Après, on les tue tous, mais bon. Ah bah oui, facile. Hein, c'est quoi ça? Je vais mettre du bois là, comme ça, il sera prêt pour les fours. Et oui. Ok. Je vais monter pour manger un bout. Hein. D'accord. Et déposer la viande aussi. La viande crue. Crue. Là, je peux les planter, mais si je plante maintenant, ça sera crevé demain. Ouais. Putain, Vedus. Moi, je vous conseillerais d'aller au camp des bandits. Sans donner d'ordre. Ouais, mais il faut avoir déjà du squab d'avance, non? Bah oui, si on n'a rien à parier, qu'est-ce qu'on parie? C'est ça la question. Ouais, et est-ce qu'on peut être armé là-bas ou est-ce qu'il faut être désarmé? C'est safe ou c'est pas safe? Encore une autre question. Quand des bandits, je crois qu'il est très loin. Ouais, il est là-bas. Ouais. Ça me fait un petit peu chier les bandanas en fait. Oh, on manque pas de pierre. Et vamos a comer. Hop. Le problème, c'est que si on voit qu'on est bandit et qu'on se fait tuer là-bas, bah, on aura perdu notre temps. Ah ouais. Mais c'est quand même pas la porte à côté, hein. Non, c'est pas la porte à côté, effectivement. Oh, regardez, s'il y a un bateau, on prend le bateau. S'il n'y a pas de bateau, on ira. Wesh. Ah, oubliez, ce sera pour une prochaine fois. On regardera, hein. On va voir. S'il n'y a pas de bateau, pourquoi pas, on tentera. Oh. Dylan, vous arrivez à vous y repérer là-dedans. Je suis paumé en regardant. Ouais. Alors, on commence à avoir l'habitude. Moi, c'est souvent, à un moment, j'ouvre une porte de garage et pouf, je me retrouve dehors.
Ça fait drôle. Y'a un mec. Oh non. Il prend un arbre. Il est noir. Ah, mais c'est pas notre copain? It's a negro. C'est notre copain noir, non? Copain noir, tu rigoles ou quoi? On a pas de copain noir? À terre. C'est Nicole. C'est notre copain, ça? Ça me dit rien. Et il parle pas. Ouais. On a rien à foutre. Je l'enlève. Non, enlève-le pas. Faut pas qu'il fasse sa base près de chez nous. Le pauvre, il a rien fait, bah ouais. Si, si, il faisait une base près de chez nous. Cathy, je viens de calculer, ça fait déjà 7 mois que je suis follow. J'en reviens pas. 7 mois? Ah ouais. Ouais, ce sera pour une prochaine fois, Védus. Mais on ira. Mais il n'y a pas de bateau, là? C'est quoi, ça? Ouais, Védus, pourquoi il n'y a pas de bateau? Le pauvre Titou. Alors, pourquoi on a tué le mec? C'est très simple. C'est très facile. Parce que si on le tue pas, il va prendre du bois. Il risque de créer une baraque près de chez nous. Après, il risque d'être no life et d'être plus présent que nous et de nous faire chier. Et là, il va respawn ailleurs et avec un peu de chance, ce sera pas dans votre coin. Voilà. Tout simplement. Et comme il a rien, de toute façon, on s'en fout. Et lui aussi s'en fout, parce qu'il a rien. Ouais. Donc il n'y a rien de grave. Bonne nuit, East. Bonne nuit. Gros bisous. Sur le front. Y'a rien, y'a rien. Y'a pas un seul bateau, je comprends pas, là. Bah ouais, qu'est-ce qui se passe? Faux, vous l'avez tué parce qu'il est noir et que vous êtes raciste. Putain, comment faire naître des fausses rumeurs? Incroyable. Mais non, on a un copain noir. Mais c'est qui le copain noir? Je me rappelle pas. Ouais. Bah je me rappelle pas son nom, mais on a un copain noir. Ah bah c'est génial, bah ouais, bah alors comment on sait que c'est un copain si on se rappelle plus de son nom? Et au fait, le copain noir Noé, il est plus sur ce serveur. Noé? Ouais, on l'a jamais revu. C'est beau. Mais si, un jour, on avait vu un copain noir. Tu sais, quand on était allé voir la maison des voisins, il avait dit, mais y a plus rien ici. Ouais. Il était peut-être pas noir. Et je comprenais rien à ce qu'il disait. Ouais, Noé. C'est celui qui... Mais c'est pas sur... C'est sur le... Avant le wipe. Ah ouais. Celui qui mettait ses tourelles actives, là. Quand on passait devant. Ah oui, ouais, mais si, peut-être là, mais qu'on le sait pas et que voilà. Oui. C'était possible, hein. Comme il y a possibilité qu'il se relève, il faut toujours terminer ses adversaires. Ah, tu vois, ouais. Ah ouais, merde. C'est une faute. On est pas assez. On est méchant, mais pas assez. Voilà. C'est quoi ça? Il était pas tout à l'heure? Oh non. Putain, mais c'est un truc de dingue. Il doit y avoir un bateau dedans. Et ça, c'est... Ouais, c'est mignon. Ouais, bah... C'est que c'est actif, là-dedans. Ouais. Aucun bateau. C'est dingue. Elle aussi, elle est noire, regarde. Putain, est-ce que c'est notre copain? Non, je connais pas. Lindy. Eh, le mec, il nous vise derrière. Raté. Quel enculé. Il est où? Il est monté du côté de la montagne. Ah ouais, il prend de la hauteur. Ouais. T'es pas assez attentif, Rudy. Attentif? T'es attentif à quoi? C'est moi qui vois tout. Je vois les mecs, je vois tout. Tout. Ouf, ouf. Pourquoi pas assez attentif? Mais ouais, t'es pas assez attentif, sérieux. Mais tu plaisantes ou quoi? Je vois les mecs qui sont devant, je vois les mecs qui sont derrière. Tu peux pas être plus attentif que ça. Hein. Par contre, tu vois peut-être pas les mecs qui sont de côté, ça c'est possible. Oh, un ours qui va m'attaquer. Oh, c'est moi qui l'attaque, cet enculé. Il m'attaque. Non. Vas-y, viens là. Vite. Combien de vie reste? 9. 9 de vie? Ouais. Il est mort. Arrête de tirer dessus, il est mort, c'est bon. Mais non, il est pas mort. Mais si, il est mort. Je le vois bouger encore. Ah ouais, non, il est pas mort, il fait semblant. Ça, faut pas que le mec il arrive maintenant, hein. Ce serait très mal. Hein. Ouais.
Je laisse prendre tes flèches, j'ai pas de bandage. Attends, attends, je vais le dépecer, je vais te prendre. Couvre-moi, hein, un surtout. Champignon. Regarde que le mec il arrive pas là. Ouais, ah ouais, je regarde. Ok. Attention. Voilà. Merci. J'adore Rudy, il part au quart de tour, c'est clair. Tu vois tout, 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 sauf le mec de derrière, fois au phare qui t'a mis à one shot. Haha. Ah là, il était au-dessus. Bon, allez, je me bande. Opération sauver Cathy. Il y a de la bouffe dans le feu. D'accord. Ça rend rien en PV les bandages, non, ça fait 5. Bande bien alors. Bande-toi bien. Bah écoute, je vais déjà être bientôt full. Ma foi. On okay. Est vulnérable ici quand même. Je récupère toute la bouffe. Ouais. Tu veux tout faire cuire ou... Je récupère le bois. Non, non, je récupère. J'attends que la cuisson de ces deux tranches soit faite. Ok. Pour l'instant, on a zéro squab. Je dis ça, j'ai rien. Purée. Ouais, mais on n'a pas de bateau. Ouais, le problème, il est là. Nous, on est fort en bateau. Bon, on va devoir aller au truc des bandits, on va être obligé. Hein. Ouais. On va crever. Hein. Mais qu'est-ce qu'on va parier là-bas? Je comprends pas comment ça marche. Bah, apparemment, tu paries des scrabs, apparemment. Ah, mais si nous n'en avons point. Là, il y a un bateau. Ah! Sauvé par le bateau. Ouais. Ah, nickel. Youhou. Bateau. Alors qu'il n'y avait plus d'espoir, le bateau est arrivé. Voilà. Il a 127 sur 400. Ce sera suffisant. Faut monter. Cool. Enfin, attention parce qu'on va passer près du mec méchant. Hein. Ah oui. Il te reste du tissu ou pas? Ouais. Éventuellement si j'ai besoin. Ah, le cheval qui a couru. Là qu'il y a un mec qui doit pas être loin. Mm-hmm. Aïe aïe aïe, est-ce que je vais pouvoir passer là? Ah, c'est le bordel là. Ah ouais. Je te pousse. C'est bon. Ok. Vous êtes surtout fort pour piquer les bateaux. Et ouais. Sauvé par le bateau, est-il en bon état? Ben ouais, 127. Putain, sa plaine de base, elle est juste là. Ouais. Il y a un bateau de sortie derrière. Il vient de sortir son bateau. Ah putain. Ouais. Il va faire nuit. Oh non. Abusé.
C'est chiant ça. Donc là, il nous en manque combien? Bah, je sais plus. On en a Bon. une soixantaine dans la maison, c'est ça? Ouais, il en manque 190. Ouais. D'accord. C'est énorme en soi. Ouais. J'en ai deux. J'en ai zéro. Ouais. Je viens de penser pareil, Rudy. Je me suis dit que le soleil est bien bas. Ça va trop vite, franchement. On n'a pas le temps. Demander des journées à rallonge et des nuits courtes. Bah ouais. Après, la nuit a son charme aussi, hein. Ah, sauf quand il n'y a pas la lune, tu vois que dalle, quoi. Ouais. On aura peut-être la lune. Hop les. Tous les cas, la mer n'est jamais déchaînée. Hein. C'est vrai. J'ai demandé à la lune. Ça fait combien de temps que vous jouez au nouveau Rust? Je sais pas. Pas de temps, Cathy. Quand TLF a fermé, ça fait franchement. Oh, j'y vois plus rien, ça y est. Ça c'est moi, ça, je vais troll. Non, c'est moi, c'est moi. Ah, Voilà. pardon. Tiens, Je là-bas, c'est toi. Vas-y, je dirais. t'éclaire là. Vas-y. Merci. C'était un peu avant Noël qu'on a commencé. Ouais. Mais on joue pas beaucoup d'heures, donc en fait, ça, en soi, ça fait pas beaucoup d'heures, quoi. Ouais. Je peux pas m'éclairer là, je peux pas allumer. Oui. Ah, c'est bon, faut trouver. Ah. Tu veux que j'éclaire le chemin? Non, surtout pas. D'accord. Allez, la lune. Ouais, ce serait cool là. Lune. Tu me dis s'il y a quelque chose devant, parce que je vois pas beaucoup là. Ben, je vois rien du tout non plus. Avec ta grosse tête là, je vois pas rien. On n'y voit que dalle. On va attendre. Ouais. Le point positif, c'est qu'on n'a pas froid. Ouais. Pas tant qu'on y voit plus. Ouais. Ouais, je dirais novembre. Mi-novembre. Ouais. Donc on faut compter à peu près, je dirais, 14 heures par semaine, 2 heures par jour. Ouais, 15 heures par semaine, allez. Voilà. 15, Ouais. on va dire 60 heures par mois. On a dû faire une centaine d'heures, un peu plus. Ben, ça fait 3 mois du coup, ça fait Ah 200 ouais, bon, heures. plus, ouais, 200. 200 heures. Voilà. Je viens de voir, tu t'appelles Jambon dans Rust. Jambon. Ça veut dire jambon, ta méca? Ben merde, elle est pas mal celle-là. Moi, c'est Ramon. C'est Ramon, pas les vrais Ramon. pseudos, hein, c'est des pseudos en mode streamer. Tous les gens qu'on croise, c'est pas leur vrai nom, en fait. Enfin, c'est les noms faits par rapport au Steam ID. Ouais. Parce qu'on voulait limiter. Donc ça veut dire que même si un mec il change de nom, nous on le verra toujours avec le même nom. Et bien aussi. Ouais. Ah, c'est moi, Ramon.
C'est moi, Ramon. Ramon. C'est, ouais, en espagnol, ça veut dire jambon. Ouais, c'est vrai, c'est moi. D'accord. Bon, la lune, pas de lune. Hein. Comme tu parlais sur le stream de Rudy, je pensais que tu parlais de Rudy. Non, pas de lune. Bon, ça a le mal de mer en plus. Par contre, derrière toi, il y a une plaque avec des bidons qu'on pourra faire quand il fera plus jour. Ah oui, je vois. Donc mon Steam ID me prend pour un jambon. En plus, je savais que ça voulait dire jambon, Ramon. Mais tu vois, j'ai pas fait le... Comme quoi, on n'est pas... Attends, c'était du... Attends une minute. Ouais, c'est du pétrole. Pas trop vite, voilà. Oh merde, je suis tombé. Oh là, c'est pas bon. Tomber la nuit. Faire tout sauf ça, quoi. Ah, au secours. Vite, va dans le bateau. Oui. Et clairement, maintenant. Moi, j'ai pas envie de monter, ouais. Je m'éclairais plus, hein, parce que... Bah, je t'éclaire au max, là. Ah, c'est bien. J'éclaire un peu le sol. Putain. C'était superbement éclairé, tout ça. Hein. Eh, clairement encore. Ah, encore. Ah, je vois pas, là. Encore. C'est bon. Donc je suis à 16. Putain. 23. Aïe. Avec Cathy, faut pas oublier le kit de survie médicale entre l'eau, c'est tombé dans l'eau. C'est clair. Il traite combien de vie là ? 97. Ça va. Question complètement bête, nous sommes quel jour? Donc nous sommes mardi 19 février. Moi, petite caféine. Je t'aime bien en violette, caféine, ça me plaît. Il n'y a pas de lune du tout. Non. Elle n'arrive pas. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Oh là là. Le même jour qu'il y a 365 jours. De rien, caféine. Qu'est-ce que c'est calme? Les nuits sans lune, on n'a pas de chance. Ouais. Ça me paraît interminable, plus long que quand on est dans la maison, finalement. Oui. Ya, ya, ya. Putain que c'est long. Mais on voit que la Terre ne tourne pas, en fait, on garde les étoiles au même endroit. C'est un monde particulier. Ça tangue. Ah, c'est calme et mon ventre commence à moins aimer vu comme ça tangue. Ben voilà, j'étais en train de penser ça tangue. Regardez l'inventaire, ça ira mieux. Oh, un avion. Ah ouais. Plutôt qu'il largue dans notre petit bateau, ce serait génial. Oh oui. Viens par ici, dans le du cul. Il me semble que ça s'éclaircit un peu. Je vois rien sur l'eau en tout cas. Non. Voyagez, allez vers de nouvelles contrées, plus lointaines, prenez même des photos. Il y a un appareil dans le jeu au cas où.
Ouais, le soleil se lève. Veux dire se couche et après t'as dit se lève. Non, j'allais pas dire se couche. Ah bon? Wesh. Bon allez, ça nous révèle des trucs là parce qu'on n'en peut plus là. On peut plus. Waouh. C'est beau, hein, les amis. C'est hyper romantique. C'est vrai que c'est romantique. T'aimerais bien que je te prenne comme une chienne? Putain. Un bazar. Moi, je suis choquée dès que ça parle de sexe, me disait Rudy. Hein? De cul? Ah oui. Ben De oui. cul. Ah bah oui. Pas de sexe. Ah, le plein de soleil, regarde! L'enculé! Ouais! Ouais. Faut pas trop le regarder parce que ça peut brûler notre rétine. Hein. Faites attention les gens. Mettez tout ce qu'il faut bien, mettez des lunettes de soleil, enfin des trucs adaptés à vos yeux surtout. Hein. J'ai compris que je te prenne comme une chaise. Ouais. C'est un concept. Tu peux t'asseoir dessus. Bon. Je vois rien à l'horizon, pas un truc dans l'eau. Non, rien. Vous Nada. voyez, on va avancer, hein. Voilà, on a passé la nuit, nuit blanche sur la barque. C'était Ouais. horrible. Ah, si, là-bas. Je vois des choses. Ah oui. Je pense que tu vois un peu plus loin que moi. À bâbord et à tribord. Moi, c'est apparu un peu après. Je fais gauche, tu fais droite? Là, il y a du pétrole de côté. Death Run. Wouh, t'as oublié un baril ici. Au secours! Je te laisse prendre. Ah, mais un baril de pétrole, c'est ça que je disais. Ah, merde. Oh là, oh là. Je mets dans le coffre. Ok. Rudy doit avoir une distance d'affichage plus lointaine que toi, Cathy. Ouais. Ouais. Moi, j'en avais besoin de réduire le truc pour mieux optimiser le jeu. En Youhou! distance d'affichage, graphique. C'est où ça? 2000. Ah, je sais pas si c'est draw distance ou shadow distance. Enfin, 2000 et 1000 de toute façon. Moi, j'ai 2005 et 1000. Donc ça n'a rien à... c'est pas ça en Ah fait. bah non, t'as plus que moi là. Bah ouais. C'est peut-être Je la sais pas. qualité graphique, je suis à 4. À 4 aussi. Bon. Allez comprendre. Une barque à droite là? À gauche, pardon. Gauche et droite. À gauche ici dans l'eau. Bah Ah voilà. ouais. Gros, c'est ce délire. Oh putain, je rate tout. Je suis fait. Mon bonhomme est fatigué. On va aller voir si elle est mieux que la nôtre. Je suis à 30. Ouais, encore un clip. Vas-y, vérifie. Non, 10. Ah, c'est de la merde. Vingt-huit Scrabble. Je pense qu'on est très mal. Ouais. Moins Fait 30, chier. c'est pas terrible. Putain, il leur tourne, c'est terrible. Saloperie de nuit, voilà. On n'aura pas les 250 ce soir.
Ça va être compliqué. Ouais. À moins qu'on aille jusqu'au port pour Ah extraire. ouais. On va faire ça. On tombe le tout pour le tout. Ouais. Donc il est meilleur le bateau là sur la rive. Je sais pas. Putain, allez, on va voir. Vas-y, J'y va vais. voir. Cent soixante-cinq. Bon, on s'en fout, pour le peu qu'il y a là. Vous allez devenir ma nouvelle série, je pense. Ah bon? Oh, c'est mignon, Vedus. C'est grâce à l'intrigue et tout, là on va aller au port, on sait pas comment ça se passait, il peut se passer plein de choses. Truc de Ouais. fou. Rudy va-t-il finir par réussir à prendre Cathy comme une chienne? En tous les cas, ça fait plaisir, Vedus. Nous sommes honorés. Ce teasing de prochain épisode. C'est... 35. Oups. 42. Ça avance, ça avance. Les feux de l'amour, amour, gloire et beauté, mes nouvelles générations. Oh! T'es où, t'es où? Je suis là. J'ai fait plouf. Les voisins vont-ils continuer à s'agrandir? On peut apprendre la semi, franchement. On aura gagné la soirée. Bon, on va le faire. Moi, je suis... On va le faire, hein. Mais oui, je suis optimiste. Oula. Ouah! Je vois qu'il est pas mal au pilotage de bateau. Sera-t-il aussi bon avec un minicoptère? Ah oui, on n'a pas encore fait de Ah, jamais minicoptère. testé ça, ouais. Tu es très bon aussi dans vos avions dans Fortnite, moi Cathy. Ah oui. Oui, bibi. C'est un très bon pilote, Rudy. Parce que les hélicos sur Arma aussi, hein, tu gères. Ah oui. Alors que moi, pas du tout. En même temps, comme ça m'intéresse pas trop, on peut pas dire que je me sois beaucoup entraînée. Moi, je préfère me faire conduire. Je suis une princesse. Il aime bien le manche de l'hélico. Ça me rappelle trop Arma. Ben voilà. Décidément, Marie, ce soir, on est vachement en phase. Sauf que toi, tu as le retard de l'écrit. Cela. C'est cela, oui. Je suis presque fou les doigts. Ouais, il me reste une place. Ah, pareil. Après, les hélicos de Arma, c'est horrible à piloter, je trouve. Eh ben moi je préférais en mode avancé en plus. Il faut régler les gaz et tout ça là pour au moins. Putain. Au moins, t'avais du mérite à le piloter. C'est ça. En mode normal, c'est pas pareil. En mode avancé, tu décollais, tu savais jamais si t'allais pouvoir atterrir. Ouais, c'est vrai. Ah bah je suis fou Marie, là. tu dis pas tout, mais tu as bien piloté et aidé Rudy aussi. Ah bon? Ah bon? Comment ça? Ouais, comment ça? Je me rappelle pas. J'ai encore une place, moi.
En parlant de pilote, j'ai une vidéo de moi qui me fait poursuivre par un hélico de la pilice, donc de la milice, je pense. Pendant 10 minutes, heureusement, ils ont abandonné. Haha, trop bon pilote. Yeah. Bravo, Moinous. Yeah. Ah oui, le coffre, il est paumé. Ok. Et là, t'es full? Je suis full. Ouais. Parce que j'ai pas ramassé la barricade. Bon, allez, on va directement au port en espérant pas crever. Ouais. Avec les hélicos sur Arma. Ah bon, j'ai aidé? Yeah! T'as aidé? Ouais. T'as aidé qui, moi? Bah, apparemment. J'ai aidé. Je t'ai aidé et j'ai bien piloté. J'ai bien vu. Moi non plus, je m'en rappelle pas. Noéline, faites la police. Oh. C'est pas Suzanne qui m'avait aidé, c'est pas ça? C'était un mec. Ouais, Suzanne qui t'avait appris, ouais. Ouais, qui m'avait bien aidé hein, sur le mode avancé. Il était cool, lui. Ouais. Elle. Lui, elle. T'es un mec, c'est une femme. Ouais. C'est ça. Oh, t'as vu la plante? Oh. Oh. Et oui, nous nous émerveillons de tout. La vie n'est-elle pas plus belle? Quand on profite de chaque petite chose. Bah oui, à éviter les câbles électriques et en l'air quand Rudy regardait sur la carte. Et oui, tu as piloté peu, mais tu l'avais fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Bon, bah, méfions-nous, hein. Pas calme ici, hein. Non. Moi, je suis calme. Allez, direct. Hop. Tu veux que je te laisse poser en premier? Ouais. Ok. Donc, lui, là, je mets tout, hein. La merde, hein. Faut du scrap. Ouais. Mais je te remercie, Marie, de me valoriser de la sorte. Ah, c'est bon. Ok. Je crois que ça va apporter beaucoup, tout ça. Ouais, je sais pas trop. Je me rends pas compte. Bah, allez, corde d'armes semi-automatiques. Ah bah non, peut-être pas celle-là. Si, je l'ai mis où? Tu l'as mis? D'accord. Écoute, on est déjà à 116. Ah, c'est bon, ça. Oh putain, tu m'as fait peur. Écoute, je vais voir sur le côté s'il y a des trucs. Hein. Ouais. On est à 157. Oh, c'est bon, c'est très très bon. Oh putain, il y a quelqu'un qui parle. Il y a quelqu'un. Il est où? Je sais pas, il a parlé. Je crois qu'on récupère et qu'on se barre, non? Il a parlé à toi ou il a parlé à quelqu'un d'autre? Je sais pas. Je me rends pas compte de la distance. ça suffit? Oui, viens dans le coin ici. Moi j'ai des trucs à détruire aussi. Oh, j'ai tellement peur. T'as entendu parler vraiment? Ouais. Il a dit. Tellement d'aventures sur Arma, ouais, c'était génial. Là, je vois pas. Ah, mais je l'ai pas vu, j'ai juste entendu. Peut-être il parlait à son copain. Hein. C'est ça en fait.
Mais je pense qu'il faut pas qu'on fasse. Très bien. Tu crois qu'on a assez? La table? 184. 184, ouais, on a assez. Génial. Wouhou! Ah, je vois le mec. Ah ouais, il y a un autre mec qui vient de notre base, faut qu'on se barre vite. Je pousse un coup. Vas-y. Ok. Ah, c'est bon pour nous, on s'est barré. Wow. Ah, y a notre mec qui sortait de la grosse base là. Ah, Il y avait d'accord. un mec, un noir avec une pierre, on aurait dit qu'il n'y avait rien sur le rocher, et un autre plus haut qui descendait. D'accord. Ah bah la base a disparu. C'est la vue qui fait ça. Ah. Je suis tellement naïve. Ça serait con, hein, de se faire tuer comme ça. Ah, c'est clair. Ah, il devait parler à son pote en fait. Ouais. Il savait qu'on était là, hein, parce qu'il attendait en haut. Ouais. Et on a notre coffre à trucs à détruire qui est quasiment plein en plus. Oui. Le coffre à détruire. Ah oui, c'est vrai, on peut faire X pour se déplacer. Oh, il restait un bidon, je croyais que t'allais le prendre. Oh! Il était à côté du. Là, j'ai vu. L'as dit, Goofy? Quasiment refoule, dis donc. Tu refoules. Putain! Ça veut dire. Dans la France entière, des conneries pareilles. Bah écoute, quasiment refoule, ça fait drôle. Un gros bateau de merde. Purée. Va nous faire chier celui-là, non? Ouais. Aussi, il reste plus qu'une place. Tu vois? T'as le bateau. Ah putain, j'ai plus de place pour la pioche. Je peux Il y a une prendre. grande. Tu peux prendre? Ouais, j'ai pris. Bouge un peu de là. Hein. On n'est pas trop près là.
Ouais, il faut quand même pas s'amuser à nous tirer dessus. Ici, moi ça m'est déjà arrivé. Ah ouais? Ouais. Hop. Noéline, vive les pattes. Yeah. Bon, c'est pas gagné, il faut encore le ramener, ça va pas rien. Hein. Bah ouais. Avec les voisins qu'on a en plus, faire gaffe. On s'en fout du bonnet. Et 2h20 du matin, juste un. Ouais, il va falloir qu'on rentre. Ouais. Ça passe trop vite, ça. C'est ça. Vous avez déjà débrûlé des pâtes au fond d'une casserole? Oh que oui. Moi jamais. Moi oui. C'était la honte, en plus j'étais avec ma classe en camping et je dis ouais je m'occupe des pâtes devant tout le monde et ben j'ai brûlé les pâtes au fond de la casserole. La casserole était foutue. Oh mince, j'aurais bien aimé avoir la lampe en boîte de thon, tant pis. De toute façon j'avais plus de place. On les voir rentrer. Hein. Oui. J'ai 81 scrap sur moi. 229. Nickel. On les ramène, tu peux reprendre la semi. Ouais. On va les ramener. D'accord. Oui. Est-ce qu'on s'arrête devant ou plus derrière? On s'arrête à un endroit où on n'a pas besoin de passer devant chez les voisins. Ou plus derrière. Ça me paraît plus sage. Ben, ce petit bateau nous aura bien servi. Ouais. Pourquoi ces bases sur la gauche, elles n'y étaient pas. Hein. Non, c'est du récent ça. Putain. Ma maman, elle a réussi à sauver la casserole. Bravo pour une première utilisation. Café, une fois j'ai fait mieux, purée, patate douce. Patate douce, maison, je les ai oubliées. Ça a cuit 4 heures et malheureusement, je suis passée par la cuisine avant d'aller me coucher. Ça n'a pas cramé. Ah, la patate douce, ça aurait dû sentir le caramel. J'aime beaucoup les patates douces. Ça pousse jamais les arbres ici ou quoi? On dirait bien que non. Bien dommage. C'est un peu comme les bateaux qui respawnent pas. Y a un problème le cerf là, non? Ouais. Après, Védus, on ne s'est jamais bien rendu compte combien de temps ça mettait, par exemple, une pierre ou un arbre à pousser, combien de jours et combien de nuits à respawn. Oh, nickel, hein. On y est. Hein. Ah, on est content. Oh, ouais. Je mets dans l'établi là. Non, c'est pas là. Ah, C'est dans la table de d'accord. recherche qu'il faut mettre. Voilà. Je mets tout? Mets tout. Hop. Recherche.
Recherche. C'est bon. Faites donc une cabane pour garder votre prochain bateau. Ouais. Ce sera envisagé. Ouais. Voilà. Semi-automatique. Il faudra un corps de semi-automatique, un ressort en métal, 450 fragments de métal et 4 métals de haute qualité. C'est appris. Bravo. Ouais. Bah tu vois, on a réussi. Moins d'une heure sûre, ouais, donc il y a un problème là, parce que toute la soirée, c'est pas revenu. Ouais. Pourquoi t'as pas fermé les portes là? Moi j'aime pas ça. Hein. Ah, pardon. Alors ça, je vais remonter. Ça aussi. Hop, 50 piles. Moi, j'avais ruiné 1 kg de pâte, casserole trop petite. Ben voilà, trop de pâte, pas assez d'eau. C'est exactement ce qui m'était arrivé. Pâte cramée et tout, bon pour la poubelle, car les pâtes avaient brûlé et elles sentaient trop de brûler. Merci Marie. Ouais, c'est vrai que là, c'est GG quand même. Suivi automatique, ça fait vraiment plaisir. Ouais, merci Marie. Donc c'est moi, Nous. Je me suis fait pourrir par ma mère. Ah, ouais, ça. Neuline, ma voisine, elle a voulu éteindre le gaz parce qu'elle avait une urgence et elle a juste baissé le feu une journée entière à cuire. Oh. Aïe, aïe, aïe. Caféine. La veille de cette bêtise, j'étais partie en urgence. Je suis revenue à l'appart, le robinet de la cuisine qui n'était pas fermé. Oh, putain. Merci, ma Marie. Je crois qu'il y a un clip de mois d'août, non? Regardez. Ensemble. Ah, oui. Regardez le clip. Alors, où est-il? Pas ça. Ça doit être ça. Ah, je l'ai pas, bon. Je crois que c'est ça. Je vois pas en tout cas. Ah, merci pour le clip. Marie et Cathy, du coup. Alors, attention, ouvrir. T'es prête? Quasiment. Quand tu veux. 1, 2, 3. C'est beau, hein, les amis. C'est hyper romantique. C'est vrai que c'est romantique. T'aimerais bien que je te prenne comme une chienne? C'est horrible. Bon, merci Moinous. Ouais, merci Moinous. Ah, les clips du bon moment, quoi. C'est vrai que c'est romantique. T'aimerais bien que je te prenne comme une chienne. Putain. Aïe, aïe, aïe. Bon. Toutes les bonnes choses ont une fin. Du coup, les trucs à détruire, on sait plus trop où on va les mettre. Si, il y a encore un petit coffre en dessous d'établi. Hein. Ah oui. Ah oui. Je l'oublie trop souvent celui-là. Hein. On a 30 heures devant nous, c'est cool. Je vais peut-être vider les coffres. Ben voilà. Bon, c'est bien, on n'a pas perdu la soirée. Ah non. Je vais faire des balles de semi, moi, je crois. Les balles normales, non, mais je vais faire les balles explosives. Il faut que j'apprenne les balles normales quand je ferai la semi. D'accord. Ça va, ils t'en donnent quelques-unes quand t'en fabriques une. ...45 heures.
j'ai bien fermé l'armoire, ouais. Bon, lapin, on se calme là. Désolé les gens, j'ai pas lu. On va peut-être me mettre ici en fait. Les dernières choses culinaires. Bonne nuit Védus. Des Bonne gros nuit, bisous. Védus. Et merci de ton passage. Ouais. Ça manque d'une porte là. Oups. Mais arrête. Arrête quoi? De me faire du mal. Tu fais pas du mal, c'est un marteau qui fait pas de mal. Ah, ça manque d'une porte là. Une porte? Ouais. Où ça? Ici. Il y en aura une par la suite, là j'en fais une en haut là, tu sais, comme j'avais dit. Ah oui. J'en mets une ici là. Wesh. Voilà, elle est prête. Quoi? Pas nickel ça? Impeccable. Magnifique. Mettre le digicode. Ça manque d'une porte demain. Qui a mis une porte là? Niveau repas ce soir, c'était semoule de couscous bolognaise et crème fraîche. Un vrai régal. Marie. Des pâtes avec des pâtes, va dans ta chambre et la ferme. Putain! Caféine, pâte au thon, crème fraîche avec du parmesan. C'est bon, ça aussi. Je réparerai tout, hein, parce qu'on pourrait avoir une table de réparation aussi. Hein. Ah oui. Et odeur où? Ah oui. Bon, en bas. Bon, on va dormir en bas. Caféine égale canaille au volant, mais en IRL. Regarde, la chambre, elle est toujours là, la chambre de notre amie Caféine. Voilà ta chambre. Non, ce n'est pas une cellule, c'est une chambre. Il faut toujours bien refermer tout. Ouais. C'est tellement dommage. De facilité de travail de ces connards. C'est clair. Oui, parce que sur Rust, tous les autres sont des connards. Hein. Oui. Voilà. Oh là là. 10 000 portes pour aller dormir. Je te dis pas si t'as envie de faire pipi et que les toilettes sont à l'autre bout de la maison. Oh, je te pisse dessus direct. J'adore la précision, Cathy, merci beaucoup. Je sais plus ce que j'ai dit, Caféine. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, que c'était pas une cellule. Voilà les gens, on a bien joué, on a bien évolué, je pense. Ouais. Il y aura plus qu'à faire des armes et aller buter tout le monde. Ouais, enfin bon. Vous savez que vous pouvez squatter dans ma chambre, hein, les loulous. Oh. Allez. Plouf.
C'est déjà la fin, il nous reste plus que mardi, mercredi, jeudi, vendredi de pour travailler après c'est le week-end. Ouais. Et ça, c'est fort que ça. Il nous reste plus que ça. Vraiment extraordinaire. Ah là là. Bonne soirée en tout cas, ouais. Ouais, puis t'as vu, il y a eu de l'action quand même, hein. On a tiré sur pas mal de gens. Hein. Ouais. Non, c'était chouette. Je suis explosette. Ouais, ça fatigue. Ouais. Ça fatigue moins que le RP, mais ça fatigue quand même. Ouais. Je trouve. En tout cas, des gros gros bisous. Une bonne nuit à tous et à chacun. Ouais, grand merci à tous. Ouais. On va pas citer les gens parce que je veux pas en oublier. D'accord, donc on ne citera pas Noéline, Caféine, Marie, Moinous, tous ces gens-là, Nilan, on ne les citera pas parce qu'on risque d'en oublier. Bah ouais, c'est ça. Donc on va faire très attention de ne pas citer les gens. Donc on vous citera pas les gens. Ah, une tournée de câlins. Merci Noéline. Oh là là. Je vous l'avais dit, hein, ça voit bien. Il a plu. Eh ouais. Il vient plus. Moi, nous, je serais toi, je te conseillerais d'aller dire bonne nuit à Rudy. Bonne nuit à tous au jour d'aujourd'hui. Ah, Marie, je vais te tuer. C'est difficile hein, de laisser ces petits salopiers. Ouais, mais il faut, parce qu'il faut se reposer un peu. Ben oui. Bonne nuit, des gros bisous encore. Désolé de ne pas avoir été là, aventure. Moi, c'est pas grave, Moinous. Pas grave. Bonne nuit, merci Moinous. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, Caféine. Bonne nuit, tout le monde. Des gros gros bisous. Des gros bisous. Et encore merci, petite Marie. J'espère que tu iras mieux demain. Ouais. Gros gros bisous à tous. Ciao. Ciao.